Ici Zikino et aujourd'hui je vais vous présenter Shockwaves. Alors Shockwaves, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de casse-tête pendant que je suis en train de me dire que j'ai oublié. Voilà, c'est un jeu de casse-tête hein, qui pourrait ressembler un peu à un 2048. Et tant que j'ai l'info sous les yeux, je remercie Qualia Interactives pour nous avoir donné, proposé la clé plus exactement. On n'a même pas demandé, ils sont venus nous la proposer eux-mêmes. Donc c'est un jeu qui ne se joue pas à la manette, qui est solo, qui est pas en français, mais il y a trois mots dans tout le jeu, vous ne devriez pas être perdu, et il coûte 4 euros. Voilà. Et on va tout de suite retourner dedans. Alors il y a plusieurs modes de jeu, donc exit, on ressort, il y a des puzzles, on rentre directement dans le sujet, j'en ai fait 18, le 19e ressemble un peu au 18e et j'ai déjà galéré pour le 18, alors le 19 je pense que je vais pas y arriver devant vous, mais on peut tester. Donc la grille se présente à peu près comme ça dans le mode endless aussi, et donc là en mode puzzle on nous demande de faire un 256, et pour ça les interactions qu'on a, on voit en bas qu'on a une tuile à 2, donc on peut la poser. Par exemple ici, et ça fait que la tuile est posée justement. Et je sais pas si vous avez vu, mais quand on pose une tuile, il y a une sorte d'onde de choc, d'où le nom du jeu, Shockwaves, qui part de la tuile et qui s'en va à l'extérieur. Et en fait, ça va pousser toutes les tuiles qui sont libres en horizontale et enfin dans les diagonales du carré quoi. Par exemple, en posant ici, le 64 il va se pousser là-bas. Si je pose là, les deux tuiles sont poussées. Non, attendez. Retry. Donc il y a différents thème de couleur. Tac, tac. J'essaye de faire quelque chose de cohérent, mais... Voilà, et on peut aussi poser... donc les tuiles, on peut les poser soit sur les cases libres qui n'ont pas de numéro, soit sur une case qui a le même numéro que celle qu'on va poser. Par exemple, là je pose le 2 sur le 2, ça va faire un 4, et la shockwave qui va faire pousser ici, qui lui-même va pousser, etc. Et donc là, game over, parce que j'ai pas trouvé la bonne solution. Je pense que j'ai une petite idée. Mais je vais pas non plus rester juste dans ce mode là pendant longtemps pour essayer de vous montrer. On va passer à la suite. Et apparemment il y a au moins 50 niveaux, donc pas seulement un truc. Parce qu'ici on voit que ce mode là est débloqué une fois qu'on a réussi le niveau 50, ou qu'on a réussi 50 niveaux. On a les paramètres de base, et ici je crois que c'est une sorte de classement. Donc la dernière partie que j'ai fait, je suis arrivé 3ème, mais j'ai quand même l'impression, vu que c'est... quoique c'est pas hyper bien réparti, mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde, alors soit ce jeu il s'est vraiment pas beaucoup vendu, à 4€ quand même. Soit c'est... J'ai quand même l'impression que c'est des sortes de scores locaux
et non pas un classement online, ce qui est aussi très bien. Donc là, on va partir en mode endless, en mode sans fin. Et donc là, le but, ça va être de... Ça va être de faire des chiffres et d'augmenter nos stats le plus possible, enfin d'augmenter nos numéros le plus possible. Par exemple là, je vais faire ça pour pousser le 8 ici. Je vais mettre un 4 par là. Je vais remettre un 8 ici. Le 4 ici. On va mettre le 2 pour pousser. On va mettre le 4 ici pour pousser. Comment on peut avancer? Je sais pas, on peut faire ça déjà. Et on a pour le score, alors j'ai pas étudié à fond comment faire du score. Je dois avouer, c'est pas forcément ce qui me motive en général dans les jeux, avoir le meilleur score ou savoir exactement comment le score s'améliore. Mais quand on fait un combo, j'espère que je vais en faire un peu sans forcément le vouloir, on va dire, mais et quand on fait un combo, voilà, on voit 64 x 3, parce que c'était le quatrième mouvement qui a permis de faire ce chiffre-là. Du coup, comment on fait? On va mettre un 4 ici. Ouais. Bah, pas mal. Pour le moment, je réussis à mieux trier que mon plateau que mes deux tentatives précédentes. Ce qui est plutôt bien, je pense. Après, pas mal de choses que je fais un peu au pif. Par exemple, là, si on arrivait à mettre un 16 ici, ça fera 32. Et lui, il va pousser là, ça va faire 32. Qui va pousser lui, sur lui, ça va faire 32. Qui va pousser là. Et on aura un 128. Donc, peut-être que l'objectif, c'est de réussir à faire un 16 là maintenant. Ça se fera peut-être pas tout d'un coup en une chaîne. Mais ça sera possible à faire en tout cas. Ce 2, tu disparais, hein, tant pis. Tu vas te mettre là. Voilà, donc c'était pas en tac 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 très joli, mais j'ai réussi dans mon objectif d'avoir mon 128. D'habitude, les fois d'avant, pour avoir 128 là, j'avais genre 64, 32, 32. Donc là, c'est plutôt bien ordonné. Ce qui fait que j'ai beaucoup de place encore. On peut le pousser ce 4 là, celui-ci. On va le mettre là en attendant. Est-ce qu'on va vouloir mettre le... Ici ou ici, un 32 en priorité? Je sais pas trop. En fait, on veut augmenter ce 16 là.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va voir peut-être mettre un 8 ici. Si je le mets là, ça fait aussi 32 et ça pousse ce 16 ici. Est-ce que je préférerais pas avoir un 16 par là, proche de mon 128? Si, je pense. Donc, on va mettre ça là. Oh, et plop, les gens du raid de 119 minutes. J'avais pas vu la notif. Comment ça va? D'ailleurs, je suis pas sûr qu'il y ait eu de notif. Ça va, Ardarine, ça va le signe? Donc là, on teste Shockwave, un jeu de réflexion que je verrais peut-être bien sur mobile. Je m'y verrais plus passer du temps sur mobile dans les moments de creux, 2 minutes par-ci, puis après on reprend la partie 3 jours plus tard, que sur PC. Bah ça travaille dur, si, le cerveau là, il travaille dur, parce que le jeu est quand même sympa. Pas du tout évident. Et voilà, tout simplement. Et je sais pas encore bien prévoir mes coups en avance. Du coup, pour expliquer à tous ceux qui arrivent, on a la grille. Le but c'est de faire le plus haut score. Il y a aussi un mode puzzle avec au moins 50 niveaux qui débloque un autre mode que j'ai pas encore débloqué. Je suis bloqué au niveau de puzzle 19. Après, j'ai pas forcément eu le temps de. Enfin, j'ai pas pris le temps de réfléchir à 200%, mais j'en suis au niveau 19. Et là, on est dans le mode sans fin. Et donc, on essaye d'avancer le plus loin possible. Donc à chaque fois, on a la tuile ici en bas, qui est la prochaine tuile qu'on va poser. On peut poser sur toutes les cases libres ou sur une case qui possède déjà le même numéro. Et quand on pose une case, ça repousse, ça merge les trucs, et quand ça merge, ça repousse encore, etc. etc. Faut que j'atteigne le niveau 119. Ah! On va voir, parce que... Pas sûr qu'il y en ait autant. On va te mettre là. Mais là, j'aurais que des 32. Oui, mais c'est bon. Parce que lui, il va repousser et... Voilà. Avec un objectif tout à fait sain. Oui, ouais. J'avais pas trop fait gaffe qu'il n'y avait pas de musique d'ailleurs, parce que quand j'y jouais, j'avais un stream à côté. Mais du coup, c'est vrai que c'est très calme. Donc là, on a 128, 64. Évidemment, ce 64-là, on peut pas mettre une tuile ici pour le repousser vers le haut. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire
ça. On va essayer de mettre le 64 ici, là, au milieu, ça va être compliqué quand même. On le cache pas, ou alors faut le créer ici. C'est peut-être plus simple de le créer là, d'ailleurs. Ça marche à plus sardarine. Alors. Tac 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 2. 2 2 2. Ok. Oui, mais le 2, je m'en fiche un petit peu. Après faire ça, ça me permet de faire ça. Est-ce qu'il me permet de pousser ici? Et là, je vais faire mon 32 ici. Alors que je l'aurais voulu plutôt de ce côté-là. Voilà. Donc là, on n'a plus qu'à pousser ici. Ah non, parce que là, il remonte pas. Où est-ce que je le mets le 4? Ah oui, c'est vrai que ça le pousse au fond. J'étais content d'avoir plutôt augmenté un côté que les 4. Maintenant, ça s'est un peu rétabli. Mais j'ai l'impression aussi de me bloquer un peu tout le tour. C'est pas génial. Comment on fait? Je pense qu'on va être obligé à un moment de mettre les deux 32 ici. Et j'aurais bien voulu le mettre en 64 et le pousser là-haut, mais pour le mettre en 64, il faut que je prépare un 32 ici. Et qu'après je le pousse ici sans jamais rien mettre sur l'une de ces deux cases. Et bah c'est parti.
tu le laissais en 4. C'est ça aussi, il faut réussir à laisser sur le tour peut-être des chiffres faibles. Ouais, jamais ça passe, jamais, jamais ça passe. Lui, de toute façon, il va se repousser un jour ou l'autre. Vaut mieux le mettre là. C'est comme ça. Voilà. Pas trop ce que je voulais faire là. Voilà. Et voilà, on a réussi à avoir un 128 qui augmente, donc un 256. Ce qui a fait que le coin supérieur a disparu. Et bon, là, le 64, il est revenu parce qu'il était juste ici. Et qu'avec les ondes de choc, il est remonté. Donc on a libéré une case. Donc on libère les cases à chaque fois comme vous l'avez vu, à chaque fois qu'il y a une fusion de cases, mais on libère aussi quand on attend non pas 2048 mais 256. Donc c'est reparti, maintenant le 128 c'est celui-ci, donc c'est plutôt celui-ci qui est comme objectif à détruire. Je dirais, si je mets mon 8 ici, ça va le pousser, ça va mettre un 32 là. Mais si je le mets là, ça va le repousser jusqu'ici. Parce que j'aurais bien essayé de mettre celui-ci là plutôt que là. On peut essayer. Après tout, sinon on le met là-haut. on va mettre ça là. Ah oui, non, j'aurais dû le mettre ici.
Bon, maintenant qu'on a 32, 32, 32, comment on fait? Si on rajoute un 32 ici, il va pousser là, ça va faire un 64. Et inversement, pareil, par contre, si on met un 32 ici, ça va faire 128, 32, 64, 30. C'est pas cool. Mais si on le crée là, il va pousser celui-ci. Qui va repousser 64 sur 64, qui va essayer de repousser. Donc il vaut mieux essayer de le créer vers en bas. Ceci étant dit, on va voir ce qu'on peut faire. Pour le moment, ça s'annonce pas trop mal. Il me faut un 4 ici pour repousser dedans. Un 4 puis un 8 d'ailleurs. Oui, je veux pas le fusionner, sinon ça va être la mouise. J'ai fait de la mouise pareil. 8 ici. Bon bah j'ai fait de la mouise pareil. C'est pas grave, on a 228 aux deux opposés et 64 aux deux autres opposés. Comment on peut s'en sortir? Mais tu vas me donner un 8 un jour là pour le mettre ici. 8. Voilà, on a un peu avancé. Maintenant, on a 328. On va partir avec un 8 là. Un 2 ici, ça aurait été parfait s'il ne mélangeait pas. Parce que j'essaie de bloquer pour faire le 32 ici, mais ça va être compliqué. Oui, bah oui, hein. Par là, de toute façon, il n'y a plus grand-chose à faire.
Ah. Ici, le prochain vide, je le mets là, comme ça, il va fusionner avec celui-ci. Moi, je voulais qu'il fusionne. Au secours! Voilà, bon. Est-ce qu'on peut? Là, de toute façon. On a notre 32 ici. Punaise. Là, c'est un peu stressant parce que j'ai beaucoup de gros chiffres et les gros chiffres, je peux pas juste poser un 2 ou un 4 par-dessus, quoi. Et quand j'ai fait mon high score, j'avais pas mal rempli la zone, voire même totalement, sauf que c'était plein de petits chiffres et du coup. Je pouvais les leur écrire par-dessus. Donc là, il y a 128 bientôt dans chacun des coins. C'est bien, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui disparaissent. C'est pas ouf. Alors. Pour pousser ce 16 dans ce 16. Non, ce que je voulais, c'est avoir 32. Je vais pousser ce 16, celui-là, là-dedans. Pour qu'après, il puisse être poussé là-dedans. Mais c'est mort, parce qu'il faudrait mettre un 64 là. Du coup, je peux pousser, genre, un 16 là-dedans ou là-dedans pour qui. Là-dedans. Ça, il met un 16 là et 32. C'est juste mort. Bon allez, débrouillez-vous. Ah bah voilà, ça a poussé ici le 32 qui était prêt. Et du coup, alors on va peut-être pas y mettre un 2. Ni un 4 si possible, voilà, mais un 8. Et là, il met un 4 ici.
On y arrive à virer les gros trucs bien. Les bons gros chiffres. Et là, il y avait un 2 dans le coin. J'ai fait exprès d'y mettre un tout petit chiffre. Et c'est déjà un 16. Et c'est déjà un 16. Voilà. On a réussi à se refaire pas mal de place. Je pensais que j'allais m'arrêter et perdre. Mais là, j'ai plutôt l'impression d'être parti pour battre mon score précédent. Là, faut que je mette un 2 en fait. Et donc c'est reparti pour remettre un 16-32 par ici. Ah, le 16 il va partir ici. Bon, tant pis, hein. Tant pis, tant pis. J'ai réussi à peu mélanger ces deux-là. Du coup, ça fait qu'on attend un 2 pour faire ça. Pour faire ça. Et ben voilà. Alors je fais moins de combos que dans ma partie d'avant où c'était pas maîtrisé. Mais ça avance. Je suis à peu près. Je sais pas mal ce que je fais. Ce qui est de mieux en mieux. À ce niveau-là. Donc là, le 128, c'est en haut et en bas. Sachant qu'en haut, il est beaucoup plus avancé. Donc on va se concentrer sur lui. On va essayer de garder le 2 là pour pouvoir, quand on a un 64 ici, le pousser vers en haut si on veut. Pareil, garder le 4 ici pour pouvoir le pousser de ce côté là si on préfère le pousser à cet endroit là. Ah bah, voilà. Je me suis déjà loupé. Alors, deux, on pourrait mettre un là. On va mettre ça ici. J'oublie à chaque fois qu'il faut que je cale cette case et du coup c'est la cata. On va faire ça. On va faire ça. J'ai pas de 2, j'ai des 4.
Voilà. Ok. Par mettre un 32 ici parce que je voulais, mais je pense que là je suis en train de perdre en concentration un peu. J'ai pas non plus beaucoup de place, donc faut que je me réussisse à me perd de la place, ce qui n'est pas toujours évident. Il me faut un 2 pour le pousser là. Absolument. Surtout pas mettre mon 4 ici. Et là... c'est plus simple si je le pousse comme ça parce que j'aurais plus qu'à mettre le 8 ici. Alors, dans quelle direction je me dirige après ? On va mettre ici. Et voilà. Ça avance, ça avance. Voilà. En vrai, mettre un 2 dans le coin, ça va me permettre de pousser dans ce coin-ci. Par exemple, dès que... voilà. Oui, mais voilà. Alors, 1, 2. On va faire ça, on va faire ça. C'est pas mal parce que là, j'ai entre guillemets que un 16 à mettre là, pour pouvoir pousser le 64. Mais c'est pas pour ça que c'est facile, parce que pour pousser le 16 là, faut que je mette un 16 ici, et qu'après je le pousse avec le 8. Il faut surtout pas que je mette quelque chose dans ces cases-là. Donc là, j'ai mon 16. Maintenant, il me faut un 8 pour le pousser là. Et on devrait être bien. Voilà.
Donc là, le 64 qui traîne depuis qu'on a fait la fusion, on a réussi à le déplacer près de la prochaine fusion. Je pense que ça, c'est une bonne nouvelle. On va te mettre là. Il s'est passé plein de trucs, j'avoue je me concentre toujours sur celui-ci, mais celui-là est à peu près tout aussi intéressant. Ah, virer. Et là, le problème, c'est que maintenant, j'ai un gros chiffre dans le coin. Du coup, avec un gros chiffre dans le coin, je peux pas pousser ce 32 à côté du 64. C'est ce que j'étais en train d'essayer de préparer. Mais ça ne marche pas. Parce que je peux pas cliquer là. Ben, on va faire autrement. De toute façon, on est obligé. Mais autrement, je sais pas ce que ça veut dire. Enfin, je sais pas autrement comment. Oui, de toute façon, voilà. Et c'est là où c'est dangereux, parce que si je mets quelque chose dans cette case-là, ça va faire le 32 ici, et donc le 64 là, alors que ce que j'aimerais, c'est l'inverse, c'est avoir le 32 ici. Oui, je crois que c'est ingérable là. C'est enfin, ingérable. Ce que je veux faire ne fonctionnera pas. Donc on va faire ça. Ce qui va nous pousser à avoir un 64 ici. Ce qui est pas une mauvaise nouvelle en soi. Ce qu'il faut, c'est qu'on augmente ça et qu'on fasse ça. Où est-ce qu'il est là?
Ok. Là, si le 32 fusionne ici, il va repousser, c'est chiant. Non, c'est ce qu'il faut en plus. On va plutôt essayer d'avoir un 64 là. Je sais pas, je suis perdu. Excusez-moi. Tac, tac. Ah, 128, 128. Et ben, on va mettre ça là. Il y a un 2 dans le coin. Et un 8. Là. Un 4 ici. Voilà. Ça va essayer de pousser les trucs vers le bas. Tout ce que j'attends, c'est un 8. Et là, 4, qu'est-ce que ça m'intéresse? Sûrement ici quand même. Alors là, il y a le choix. Est-ce qu'on met le. Si je mets le 128 ici, j'ai entre guillemets juste à mettre un 16 là ou là. Et il va fusionner. Alors que si je le fusionne ici, ça va être compliqué. Bah non, en fait, ça le fait tout seul. Parfait. On va mettre un 2 là. On remet un 2 là. Je suis en train de me dire que celui-ci, je l'ai peut-être un poil coincé. On va mettre un de là parce que c'est ce qui je pense qu'il faut faire. Sauf que là, il faut qu'on augmente ce truc-là pour pas qu'il soit à 2 alors que pourra plus augmenter quoi. Si je peux plus cliquer dessus, ça sert plus à grand-chose. Tac, c'est bien ça. Ça me paraît correct. Je sais pas moi, là. Alors.
si je le mets là, ça fait 16, ça fait 32, ça fait 64 ici. Sinon, je le mets là. Et je peux pousser le 64 ici. Sachant que le pousser ici, ça veut dire que je pourrais plus facilement pousser un 128 dans le coin. Donc on va le mettre là. Oui, ça peut le faire, ça. Alors, si je pousse le 64 là, ça va pousser lui, ça va faire un 64. Parce que sinon, il faut que je réussisse à faire le 32 ici. Sauf qu'en poussant, je sais plus si c'est lui qui va fusionner ou lui. Ah, j'ai un doute. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser ça et tant pis. Et je suis en train d'exploser mon ancien high score. Ce qui est une bonne nouvelle pour moi, ce qui est une moins bonne nouvelle, parce que je comptais faire juste une partie en découverte quand même jusqu'au bout pour vous montrer, et que ça dure vachement plus longtemps que prévu. Je pense que c'est la mauvaise idée d'avoir ce 2 là. On va l'augmenter très vite. Non, faux. Je fais une erreur, je pense. Faut que lui devienne un 32 pour que le... Ouais. Le 16 puisse lui pousser dessus. Voilà. Par contre, ça veut dire qu'on va pouvoir pousser toute la ligne là. Ce qui, de ce côté-là, est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que je veux un 16 ici pour le pousser là? Ou est-ce que je veux un 16 ici? Le feu là plutôt. Parce que je veux le pousser en urgence. Alors c'est pas spécialement l'urgence, mais ça me permettra de pousser deux côtés en même temps, ce qui fera un peu plus de points. Normalement. Bon. Eh ben. Moi qui pensais être quasiment mort, je suis en train de me rattraper. Donc. Si je suis en train de me rattraper, ça veut dire qu'on n'est pas prêt d'avoir fini la VOD.
Ce qui est pas ce qui était prévu. Non, 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 c'est là qu'on va écraser. Donc celui-ci aussi. Et là, si j'ai un 4, je fais ça. Si j'ai un 8, je fais ça. Si j'ai un 2 ou n'importe quoi, je fais ça. Ici, je voudrais plutôt y mettre un 2 dans le coin. Et ouais, donc là, clairement, j'ai quasiment reset le tableau. Enfin, on ne pourra jamais avoir un tableau tout vide, je pense. Mais ce qui me fait dire que on va arrêter l'épisode de VOD de découverte ici. Tant pis si vous n'avez pas pu voir la fin. On finira en live. Attrapez vite la VOD avant qu'elle disparaisse de Twitch. En tout cas, j'espère que cette découverte de ce petit puzzleur vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.